admissible. Il est inadmissible que quelqu'un accepte oui à l'examen et le bac. C'est inadmissible. Inadmissible. Ça aussi, donc, je vous ai donné en partie de commission, y compris les enseignants, les parents d'élèves, les syndicats, etc. Ils ont fait un rapport et je leur ai dit que bien, il faut qu'ils publient le rapport, je pense qu'on parle de Brest. Bon, Jacques, quels sont les temps de l'enseignement guinéen? Pourquoi on fout les jeunes chômeurs? Donc, ça c'est notre temps. Le troisième, chaque ministre qui vient, ministre de l'éducation, quelle université? Et pour orienter l'argent de l'État vers ces élèves privés, ils forment des chômeurs parce qu'ils n'ont pas de bons enseignants. Et donc, ils forment des chômeurs. Ou bien, les enseignants qui ont prêté serment financièrement à l'école publique, donc ils ne peuvent pas danser dans une école privée, c'est dans l'école privée. Et les syndicats, dans ça, vous allez prendre responsabilité. Un enseignant qui fait ça doit être sanctionné. Parce qu'il a prêté serment. Il peut enseigner ou faire la recherche, mais pas danser dans une université privée. Cette année, on a décidé qu'on ne recrutera pas d'étudiants en médecine, parce qu'on a suffisamment de médecins qui sont en chômeur qu'on doit former. On ne doit pas privilégier les matières pour les lettres, etc. au droit. On doit orienter les étudiants vers les secteurs qui sont prioritaires, c'est-à-dire où ils peuvent avoir un emploi. D'où l'importance de l'enseignement professionnel. Lorsque les Maroc est venu, ils sont partis, ils ont viré le volet de l'Alaskinéco. Donc il m'a demandé si vous avez raconté le responsable de l'enseignement professionnel. J'ai dit non. Regardez-vous le chemin de salaire. J'ai dit, mais moi, je ne sais pas s'arrêter là. Mais il y a plein de monde. Quand nous sommes allés dans le Carrefour, il dit bon, salaire. Il a appelé le protocole. Est-ce qu'il y a un protocole? Vous avez dit bon, faites descendre des gros gens d'enseignement. Mais ces gens d'enseignement professionnel qui étaient dans l'avion pour aller au Gabon, ils sont descendus. Et il a demandé moi de l'avoir rencontré à l'aéroport. Donc, ils ont envoyé une équipe qui a fait l'outil de notre enseignement professionnel. Je vais d'ailleurs commettre cela à la discussion de tous les étudiants pour voir les carences de notre enseignement professionnel. Comment c'était honteux. Mais ils ne sont pas arrêtés là. Ils nous ont fait des propositions, ils nous ont envoyé des experts. Nous avons envoyé des experts au Maroc pour qu'on qualifie mieux notre enseignement professionnel. Il a dit aussi quelque chose que je partage. Toujours il a dit, président, il faut prioriser l'enseignement professionnel. Parce que l'université forme des chômeurs. J'ai dit, mais Excellence, Majesté, les Marocains qui travaillent sur les moteurs de Boeing, ils sont pas là, ils sont quand même fait l'université, ils sont des ingénieurs. Donc, c'est bien sûr que nous devons privilégier l'enseignement professionnel, mais nous devons aussi former des cadres de haut niveau, au niveau de post-licence, donc de doctorat. Voilà donc l'état de notre université. Si nous n'avons pas le courage de l'aborder, on ne pourra pas avancer. Et les étudiants ne sont d'accord ou pas, nous allons orienter désormais. On ne va pas vous laisser choisir librement. On va pas d'abord vous conseiller pédagogiquement. Voilà vos résultats ou pas. Donc, c'est ce que je dis pour vous. Si vous n'acceptez pas, on ne va pas vous accepter de faire 3. Vous êtes 10 à faire 3 quand on a besoin que de 2, alors qu'on a besoin de 8 ingénieurs. Des mines ou en énergie. Quand un gouvernement n'a pas le courage d'orienter les étudiants, ce n'est pas un gouvernement. Parce qu'il a peur des étudiants. Pour moi, je n'ai pas peur des étudiants. C'est étudiant pour le professeur. J'ai été étudiant. Je suis étudiant. J'ai été président de tous les étudiants africains en France. Donc, je connais très bien. Bien. Donc, pour votre bien, on va vous orienter en fonction de vos capacités. Quelqu'un qui est fort en mathématiques, vous devez aller faire les lettres. Quelqu'un qui est fort en chimie, vous devez aller faire droit. Pourquoi? C'est pour être chômeur. Donc, nous allons renforcer l'université. Nous avons un projet de créer 4 grandes universités dans les 4 régions. Ils ne sont pas contre l'enseignement privé. On doit privilégier l'enseignement public. Parce qu'il a la responsabilité de former les meilleurs cadres. On ne doit pas gaspiller l'argent de l'État à financer des universités qui nous tombent. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a le contrôle biométrique. Parce que quand ils ont 100 étudiants, ils disent 300.
Donc, on gaspille, on paye 200 et tu vas qu'il n'existe pas. Et ça va dans les poches des gens. Ça aussi, on a cette valeur. C'est pourquoi il est clair. Si je l'ai dit privé, on va faire grève, on va faire grève. Si on va descendre dans la rue, on va descendre dans la rue, ça ne fait ni chaud, ni froid. On est responsable, personne ne gouverne innocemment. Si vous gouvernez et plaire à tout le monde, vous ne gouvernerez pas. Si vous gouvernez, il y aura des gens contents, des gens mécontents. Mais si vous gouvernez sans qu'il n'y ait pas de mécontents, alors vous ne gouvernerez pas. Dirigez une ONG, ne dirigez pas un État. À ce moment-là, vous s'assurez. Donc le gouvernement prendra ses responsabilités parce que c'est votre avenir qui est en jeu. Vous savez, on est. On grandit, on meurt. Mais nous, nous allons partir bientôt. Mais si nous, on ne ferons pas, que va être la de demain? Donc il est important que la jeunesse soit responsable. On vous a dit, on met des instruments importants à votre disposition. Vous devez devoir apprendre. Mais votre rôle aussi, c'est de veiller sur cela bien, de ne pas les casser, de ne pas les malmener. Parce que si vous les cassez, les autres qui viennent après vous vont avoir quoi? Vous devez veiller sur les objets qu'on met à votre disposition, comme vous veillez sur la prunelle de vos yeux. À ce moment, on va aller très vite. Je crois que nous avons fait beaucoup d'efforts. Monsieur le ministre, je vous félicite. On est très loin, parce qu'on n'arrive pas encore à courir ici, puisqu'on me réclame les tablettes, à plus forte raison dans les préfectures et les sous-préfectures. Alors, je crois que vous avez beaucoup de choses à faire. On va vous accompagner, mais il faut que le ministre des télécommunications et les autres ministres aussi fassent un certain effort. Je félicite le ministre de l'enseignement des nouvelles technologies parce qu'il a Kigali, en ce moment, en fait, nous avons eu le poste le plus important qui est l'œuvre de technologie. Parce qu'il a gagné le seul pays de l'Afrique de l'Ouest qui a 6 frontières. Donc, à cause de ça, nous pouvons être un œuvre au niveau des nouvelles technologies. La Guinée a beaucoup d'avantages. Notre pays a la chance, a beaucoup d'avantages. Mais faudrait-il que nous puissions tirer tous les bénéfices des avantages. Si on ne le fait pas, on ne va pas de l'avant. Alors, c'est la même chose quand on dit que la Guinée est un standard géologique. C'est vrai, nous avons la moitié des aires mondiales, le bauxite, la moitié des aires, etc. Mais si la bauxite est sous terre, ça ne sert à quoi? Donc, il faut développer. C'est pas normal. Que nous ayons un emploi très important de boxer et que nous ayons à peine 2% du marché. Alors j'ai décidé que la Guinée va devenir le premier producteur de boxer, comme l'Arabie Saoudite, le premier producteur de pétrole. Cela ne fait pas à tout le monde. Cela ne fait pas à tout le monde. On m'a dit, mais si tu vends 50 millions de tonnes de boxer à la Chine, les prix vont baisser. Pas le droit de bénéficier. Donc, si je fais multinationalement 50 millions de tonnes à la Chine, le prix ne va pas baisser. Mais si moi je vends, le prix va baisser. Alors, tout simplement, parce que les gens préfèrent être intermédiaires, mais nous sommes des principaux producteurs. Les pays qui sont les principaux consommateurs, nous allons travailler en direct, nous n'avons pas besoin d'intermédiaires, que les gens prennent des bénéfices sur nous et pas des bénéfices sur les autres. Nous voulons prendre la totalité des bénéfices. C'est pourquoi nous avons le courage maintenant de développer. Et si prêt à Dieu, d'ici maximum 3 ans, la Guinée qui n'était qu'à 10 millions de tonnes va arriver à 100 millions de tonnes de boxe, je vous garantis. Mais les mines, c'est bien, mais c'est ce que nous voulons. Que l'agriculture soit la partie économique la plus importante. Parce que l'agriculture, c'est ça qui nous permet de rester. Mademoiselle, si vous voulez venir à l'école, votre femme du vide, vous n'avez pas que vous tiennez. Donc l'agriculture, parce que c'est ça qui nous permet de vivre. Deuxièmement, c'est l'agriculture qui emploie le plus de 20 jours. Et troisièmement, l'agriculture permet de maintenir les jeunes à la campagne contre l'expérience. Surtout, en développant l'agriculture d'exploitation, nous permettons aussi aux paysans, qui sont la majorité dans notre pays, d'avoir les moyens d'envoyer les enfants à l'école, de construire des maisons, etc. La Guinée avant était un des pays où il y a un exportateur, il n'était pas bien.
Voilà la période coloniale, nous exportions 200 000 tonnes de bananes, 40 000 tonnes d'ananas. Plus c'est vrai que la Côte d'Ivoire, on avait un café de meilleure qualité de cacao. Pourquoi aujourd'hui nous n'avons pas ça? Nous avons décidé donc de relancer. Nous avons l'avantage par nos voisins. Et il peut dire que le Bissau, la Côte d'Ivoire, le Ghana, tout ça. Mais nous avons le foot. En plus de Bissau, nous pouvons produire de l'arabica. J'ai négocié avec le premier ministre turbien et le président du Rwanda. D'ici 6 mois, nous aurons le café arabica au Fouta. Parce que si on ne suit pas les avantages de notre pays, on va. La Guinée, nous avons une terre très riche. Nous faisons à peine 30 000 hectares de cacao, alors que nous pouvons faire 330 000. Donc nous sommes décidés à ce que la Guinée tire des avantages. Parce que pour faire des universités, vous enseignez, il faut des recettes. Si l'État n'a pas de recettes, comment il va faire? On ne va pas être la planche à pied, monsieur le vice-gouverneur, vous savez, avant d'être ministre dans le vice-gouverneur. Mais cela suppose aussi que vous allez signer et signer. Si vous voulez aller de l'avant, il faut accepter d'étudier sérieusement. Il faut d'abord privilégier. Imaginez, vous allez au bar, aller au restaurant, aller danser, tout ça. Mais d'abord privilégier. C'est ça qui peut faire de vous des véritables dirigeants de la Guinée de demain. Donc vous devez être studieux, sérieux, discipliné. Les enseignants aussi, quand on veut être riche, on ne devait pas enseigner aux médecins. Si on choisit le métier d'enseignant ou de médecin, c'est qu'on veut rendre service. Pas que les enseignants soient des commerçants qui passent le temps à demander de l'argent aux parents pour donner de l'or aux enfants, de garder enseigner dans les écoles professionnelles. Et aussi, ils doivent être modèles, parce que c'est sur les enseignants que les étudiants continuent, parce que c'est avec eux qui sont tout en contact. Donc, les anciens Guinéens ont beaucoup de tard, ils ont beaucoup de qualité, ils ont beaucoup de tard. Comme nous sommes des collègues enseignants, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut cesser de donner des notes de complaisance. Il faut se demander de l'argent aux parents. Il faut se donner des notes d'énergie parce que c'est une famille, etc. Tout ça. Donc, il faut que les enseignants aussi, en même temps, soient des chercheurs. Quel est notre point faible? Vous prenez un Français, un Guinéen, il finit le diplôme en même temps. Venez 10 ans après, le Français a 100 longueurs. Pourquoi? Il va en bibliothèque, il lit ce qui est publié, il s'informe, il lit, il est tout le temps en ordre. L'enseignant Guinéen, une fois qu'il a quitté le cadre Guinéen, il a oublié le bibliothèque. Donc, il n'est pas. Il est dépassé. Il ne suit pas l'évolution. Donc, les anciens aussi doivent constamment se mettre à l'ordre du jour, constamment suivre l'évolution dans leur domaine. Il y a des publications tout le temps. Ils doivent être capables de lire toutes les publications. Les Sénégalais ont un avantage sur nous, il faut le connaître, ils aiment lire. Nous, on n'aime pas beaucoup lire. Et les anciens doivent lire. Comment voulez-vous enseigner, être tout le temps à l'avant-garde? Si vous n'êtes pas capable de maîtriser ce qui est de l'avant-garde dans vos domaines, comment voulez-vous le transmettre aux étudiants? Donc moi, je dis souvent au ministre, il me rédige toujours des discours, mais je ne dis jamais le discours rédigé par le ministre parce que ça ne correspond pas à ce que moi je veux dire. Donc,